Bonjour tout le monde, présentation des aimants de soudure de Powerfix qui était en vente au prix de 4,99€. Il y a un aimant spécial soudure de 190 x 122 x 24 mm. La capacité magnétique est de 8 kg. Vous avez les exemples de positionnement et les angles que vous allez pouvoir obtenir. 45, 90 ou 135 degrés. On allait montrer angulaire. Donc celui-ci est quand même assez grand. Donc ça, c'était un autre aimant que j'avais acheté sur Amazon. Je vous mettrai la référence en commentaire. La version de Lidl est quand même plus grande, plus large. Ce qui est pratique dans celui-ci, c'est qu'on peut mettre ses doigts. Une barre de 2,3 kg par exemple. En pliant, ça a peu tendance à se retirer facilement. Par exemple, cet aimant-là ne peut pas du tout la maintenir, vous voyez. La zone n'est pas assez large. Vous voyez, là également, elle ne tient pas. Une pièce beaucoup plus légère. C'est un double aimant articulé, l'angle est réglable et il fait environ 205 x 86 x 40 mm. La puissance magnétique étant de 20 kg. Il est totalement articulé. Vous allez pouvoir mettre les pièces dans vraiment tous les angles que vous souhaitez. Tout de suite, on sent que cet aimant est beaucoup plus puissant. Vous voyez, l'inconvénient, c'est qu'il faut le serrer. Vous voyez, par exemple, je le mets dans cette position-là, il tombe. Clairement, cet aimant-là est beaucoup plus puissant que celui-ci. Ça n'a vraiment rien à voir. Je mets l'aimant sur la zone la plus grande. Là, c'est le petit côté. L'aimant est tellement fort, c'est que là, ça aimante pratiquement plus. La masse au total fait 5 kg. Vous voyez, c'est la zone où l'aimant est le plus grand. En conclusion, l'aimant triangulaire est correct. On a une bonne force magnétique. Même s'il est annoncé pour des pièces de 8 kg, voyez, il est beaucoup plus puissant que des aimants annoncés pour des pièces de 18 kg. Lui, son seul petit défaut est qu'il n'a que 3 angles. Bon, après, ce sont des angles principaux. Cet aimant-là, par exemple, il y a 6 positions différentes et il y a 5 angles différents. La force magnétique du double aimant est beaucoup plus importante que celle de l'aimant triangulaire. Son principal défaut, je dirais, étant le système de serrage qui est ici. Ils auraient dû faire un système avec des écrous papillons, par exemple. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.